Regardez, c'est le travail de Tuktuk. Par contre, c'est beau, attendez. Ah putain, on voit pas, ça m'énerve. Et en vrai, c'est très joli. Let's go. Prochain rendez-vous ce soir à 21h. Tout, tout nous sort ses boucles d'oreilles. Par contre, c'est très joli. Hein. Ça donne presque envie de porter des boucles d'oreilles. Voilà. Allez, on retourne travailler. On sait que tout nous ment et qu'il n'est pas vraiment potier. On peut avoir des prix d'amis. En vrai, c'est trop beau par contre. Non, c'est pas du tout le même Tuktuk. T'as plusieurs paires. Mais c'est trop joli par contre. Mais non, a priori, enfin sauf si Tuktuk nous l'a pas dit, mais... Mais oui, c'est trop beau. Par contre, c'est très joli, oui. Je t'imagine des toupiles comme ça. Par contre, c'est très joli, mais non, Tuktuk, c'est pas le même Tuktuk. Mais par contre, ouais, c'est très joli. Attendez, j'ai même pas lâché mon follow. Je crois pas que j'ai lâché mon follow, je connaissais pas. Let's go, on lâche le follow. Qui usurpe l'identité de l'autre, ouais, je sais pas trop. Dentiste à 16h. Attends, comment ça tu fais? T'as une journée RTT et en plus tu peux pas la passer que sur WoW. C'est honteux ça, Tsum. Je suis désolée. Mais bon courage. Mais ça va, c'est dans une heure. J'ai cru qu'il était 16h, tu m'as fait peur. C'est vrai que tu passes demain, toi. Okay. Je vérifie toujours, en fait, avec la règle qu'il y a assez d'espace entre les deux. Pour pouvoir bien émailler. Rendez-vous à 16h. Du coup, je pars pas de chez moi à l'heure du rendez-vous. Ouais, mais quand même, c'est vrai. Tu pourrais partir à 16h-5. Alors, next assiette. C'est que toi, Lapinou, tu prends quand même le train pour aller chez le dentiste.
Ah non, t'es en voiture? Bon, tu prends quand même la voiture sur quelques heures, quoi. Ok, encore deux assiettes. Putain, c'est que ça prend du temps, ces trucs, hein. Deux assiettes et ensuite les quatre bols ramen. J'en reviens pas, tout, que tu fasses de la poterie. Je suis choquée. Quelques, ouais. J'aime vraiment beaucoup ces assiettes. Les premières assiettes que j'avais faites, elles avaient un pied, mais qui se voyait de l'extérieur. Et en fait, ça me plaît beaucoup moins. Là, j'aime trop, je trouve ça beaucoup plus élégant. Je trouve qu'elles ont un très joli profil.